après les grands espaces de Picardie, cap sur une venelle de Paris. Dans le quartier de la Monnaie, la rue de l'Hirondelle est le repère discret d'un géant, Pierre Dinan, designer star, devenu l'ami de Miles. L'octogénaire l'a poussé à se lancer. Sur les étagères s'entassent les créations de toute une vie. Flacons de prestige, joyeusement mélangés, et autant de défis relevés. À ce jeu, Miles est un as. Miles, c'est un bricoleur de génie, il sait tout faire. Il peut nous faire du verre, il peut nous faire du métal, il peut nous faire de la métallisation, il n'y a pas de limite. Allier le beau et le pratique. Faire jaillir des idées folles tout en restant concret. Le designer est un poète prosaïque. Tout ce qui est rond donne une bonne répartition d'épaisseur du verre, mais dès qu'on est un peu carré, on pousse le verre dans les coins et à la limite, si on va trop loin, le verre est percé, quoi. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Miles a pris un parti osé, mais il n'a pas fait n'importe quoi. L'image virtuelle, parfaite, en animation 3D, est devenue un flacon tangible, solide, inspiré par les fusils maniés en Picardie. Ouais, c'est vraiment un gun. Son of a Gun, Hot Shot, Coup d'État. Les noms de ces parfums sentent la poudre, évidemment. L'affaire prend un tour commercial. Il faut veiller à chaque détail, comme le dépôt auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle. Là, celui-ci, alors c'est vrai que le nom, là, Coup d'État, bon, déjà, c'était un nom qui était disponible auprès de l'INPI. Oui. Je suis quand même content d'avoir pu le déposer. Miles réussira-t-il un coup de force, comme Pierre Dinan en son temps ? Opium trône en bonne place dans sa collection. Ce flacon inspiré d'une petite boîte portée par les Japonais, appelée Inro, avait été refusé par Kenzo. Yves Saint-Laurent l'adopta dès qu'il le vit. Il prend l'Inro et il dit « C'est un Inro japonais dans lequel les samouraïs mettent leurs boulettes de sol et leurs boulettes d'opium !» Le nom est venu du flacon. Et c'est l'odeur... Armani, tout ça sont venus me trouver parce que j'avais fait opium. Ça a été une explosion de deux mondes du monde entier. Bizarrerie. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Par ses conseils, Pierre Dinan a veillé à un aspect essentiel, la maîtrise des coûts à chaque étape. Oui, c'est bien de faire de jolies choses mais qu'on puisse fabriquer. Et ça, c'est... il faut faire très attention. Pierre m'accompagne en respectant énormément ma liberté. Pour un complément d'univers. Hein, avec. Plus on est libre et plus on va loin, quel que soit le sujet d'ailleurs. Être libre et surprendre jusqu'au bout. Égaré parmi les flacons, des robots, jouets d'enfants, devenus objets d'études fort sérieux. Le résultat, Fantôme de Paco Rabanne, sorti en 2021. Pierre Dinan ou la jeunesse éternelle. Miles a bien choisi son conseiller.